Salut tout le monde, c'est Monsieur H3KD Touch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Vous l'attendiez tous, et bien elle est là mes amis, l'application Code QG est sortie. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet, hein. Comment la télécharger, où la télécharger. Donc elle est disponible pour tous les produits sous iOS, c'est-à-dire l'iPad, l'iPhone, l'iPod Touch. Avec une version iOS 4.0 ou plus. Donc pour ce qui est de la version Android, elle sortira d'ici très peu de temps, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Donc pour la télécharger via iTunes, via votre ordinateur et le logiciel iTunes indirectement, vous avez juste à vous rendre sur l'iTunes Store. Dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement code QG, vous tapez sur entrée, et là, comme vous pouvez le voir, absolument magnifique, l'application apparaît. Donc code QG, vous cliquez dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, les différentes informations s'affichent à l'écran, les différentes captures d'écran, voilà. Pour la télécharger, c'est tout simple, vous tapez ici sur app gratuite, mais il faut bien évidemment avoir un compte iTunes. Donc si vous n'avez pas encore ouvert votre session, faites ouvrir votre session, tapez ici, vous tapez juste votre mot de passe et l'application sera directement répertoriée dans vos différentes applications. Donc rien de plus simple. Ensuite vous avez juste à synchroniser votre appareil Apple via le câble USB et l'application sera sur votre appareil. Donc pour ce qui est des différentes informations de l'application, elle est totalement gratuite bien évidemment. On a vraiment tenu à ce qu'elle soit gratuite. Elle fait un poids absolument dérisoire de 4,8 MO, donc en 2 secondes vous la téléchargez, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou iPad ou iPod Touch bien évidemment. Et puis voilà, tout simplement la petite description qui fait toujours plaisir. Et avant de passer dans le vif du sujet et de vous montrer les différentes catégories directement sur mon iPad, je tiens quand même à vous inviter à laisser un petit avis s'il vous plaît. On a quand même pas mal galéré à faire les différentes modifications sur l'application pour en arriver là. Donc un petit geste de votre part, ça ne serait ça nous ferait plaisir. Donc vous avez juste à faire donner votre avis. Vous mettez votre avis, 5 étoiles si possible, et un petit commentaire, hein, ça va vraiment super vite, hein. Regardez, moi je l'ai mis, regardez, très belle application. Voilà, donc ça prend vraiment 2 secondes. Donc voilà, c'était tout pour la partie ordinateur, on va directement se retrouver sur mon iPad. À tout de suite tout le monde. Donc re tout le monde, alors là on se retrouve sur mon iPad comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous expliquer comment télécharger l'application depuis votre iPad, iPod Touch ou iPhone tout simplement. Donc, il vous suffit de vous rendre sur l'Apple Store. Une fois que vous êtes sur l'Apple Store, vous allez dans la barre rechercher. Vous avez juste à taper code QG tout simplement, comme dans la barre de recherche, code QG, voilà. L'application s'affiche, vous avez juste à cliquer dessus. Voilà, donc moi je l'ai déjà téléchargée, donc elle s'affiche comme déjà installée, mais vous avez juste à cliquer ici et recliquer ici pour confirmer votre mot de passe. Donc là, comme vous pouvez le voir, les différents screenshots, et comme pour iTunes, je vous invite à donner votre avis tout simplement. Ça vous coûte vraiment, vraiment 2 secondes. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis mon avis, voilà. Donc là, on va passer directement à la présentation de l'application en elle-même. Donc comme vous pouvez le voir, étant donné qu'elle n'est pas optimisée pour iPad, elle n'est pas en zoom HD iPad, donc on va sûrement faire une mise à jour pour l'optimiser pour l'iPad, donc je pense que ça va pouvoir le faire. Donc comme vous pouvez le voir, les différentes sections, la section code QG, la section code CF, la section émission et playlist, qui d'ailleurs est vraiment sympathique, puisque vous pouvez vous abonner à chaque playlist et émission. Donc ça peut en arranger plus d'un, je pense, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, dans la section code QG, vous avez juste à faire un slide vers le haut pour actualiser les vidéos qui ont été mises en ligne le jour même, avec les différentes dates qui sont bien évidemment inscrites. Pour ce qui est de votre compte, vous pouvez bien évidemment connecter votre compte via l'application. Comme vous pouvez le voir, moi je suis connecté via code QG, voilà. Et
Le petit truc sympathique de l'application, c'est que en fonction de votre activité sur l'application, commentaires, j'aime, partage sur Facebook, vous avez un classement. Donc regardez bien le top classement, hein. Donc voilà, je monte les différentes personnes qui sont classées pour le moment. Donc voilà, ça va être le petit challenge, hein. Il y a le classement Call of Duty et maintenant il y a le classement de l'application Code QG. Voilà tout, donc c'était la présentation de l'application Code QG. J'espère qu'elle vous aura plu et moi sur ce, je vous dis à la prochaine.